Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce deuxième atelier pratique consacré à notre initiation à l'étalonnage. Si vous venez de YouTube, je vous laisse l'affiche en haut à droite et le lien en description pour accéder à l'article de mon initiation à l'étalonnage. Donc dans cette initiation, maintenant, on va parler de la chrominance, donc la couleur. Voici donc une image assez colorée, on peut voir qu'il y a diverses teintes dans l'arrière-plan et des teintes assez prononcées. On va jeter un petit coup d'œil à son vectorscope. Alors, donc comme je vous l'ai expliqué, en fait, notre scope ici représente typiquement notre roue chromatique qu'on retrouve ici. La roue chromatique se présente avec chacune des couleurs référentes, donc les primaires bleu, vert, rouge, les secondaires magenta, jaune et cyan, qui vont être donc répartis uniformément dans une roue. Et donc ce qu'on trouve ici avec notre vectorscope, c'est typiquement le signal réparti. Alors par exemple ici, regardez, on peut voir sur notre vectorscope, je vais utiliser un petit tout imagique. Voilà, on peut voir sur notre vectorscope ici que nous avons des teintes assez prononcées. Par exemple, ici, vous voyez que nous avons des pics vers le rouge. Eh bien, typiquement, elles sont là, vous voyez. Ça, c'est des pics vers le rouge, des pics qui sont, en fait, de saturation assez élevée vers le rouge. Et donc, de nouveau, on peut lire le vectorscope dans n'importe quel sens. Il faut juste prendre l'habitude que chacune des couleurs plus ou moins saturées va se situer vers l'extrémité du vectorscope. Et donc, l'angle de rotation dans lequel on se dirige, eh bien, c'est notre teinte. Par exemple, ici, vous voyez que nous avons certaines saturations bleues. Ici, on tire vers le cyan bleu. Ici, on a notre bleu référent, là, notre cyan. Et donc là, ici, on voit qu'on a des zones qui tirent entre le bleu et le cyan, et là, qui tirent vers le cyan. Où sont-elles? Ici. Vous voyez, typiquement, là, ici, on a quelques saturations bleues, hein, ce sont les saturations bleues ici, et là, on a du cyan. Eh bien, en fait, elle est ici. Vous voyez? Là. Voilà, donc ça, c'est comme ça qu'on décode un vectorscope. Donc, je vous ai parlé de deux traitements d'image, la teinte et la saturation. Supposez maintenant que je change la teinte. Regardez mon vectorscope. Regardez ce qu'il se passe. Il pivote, en fait. Il ne fait que pivoter. Regardez donc, à l'origine, je suis ici. Si je fais pivoter, par exemple, vers le magenta, la principale touche vers le magenta, eh bien, vous voyez tout de suite qu'ici, la grosse majorité de mon image tourne vers le magenta. En fait, elle pivote. Donc, en fait, ici, on peut deviner que l'essentiel de la teinte rougeâtre était dans la peau de Marlène, ici. Et bien, vous voyez qu'ici, tout de suite, la peau de Marlène a viré au magenta. On peut voir ici que ce qu'on avait en bleu, vous vous souvenez, ici, nous avions des saturations de bleu. Elles ont pivoté vers le vert. Regardez où se situait la pique maintenant. Elle est droit vers le vert. Et bien, donc, maintenant, nos zones sont vertes. Et voilà typiquement un traitement de teinte. Donc, le vectorscope, en fait, ne se modifie pas de forme. Il ne fait que pivoter. Donc, ça, c'est le traitement de teinte. Regardons à présent le traitement de saturation. Si je monte ici la saturation, voilà. Vous pouvez voir que mon vectorscope, en fait, s'écarte. La saturation, c'est vraiment l'écartement depuis le centre. Le centre présente zéro chroma, c'est-à-dire noir ou blanc, aucune saturation de couleur précise. Et quand on s'étire, on va de plus en plus aller vers une saturation forte. Par exemple, ici, vous voyez, si je désactive, hein, donc ici, on peut voir que la peau, par exemple, de Marlène est vers un rouge orangé plus ou moins prononcé. Si j'augmente ma saturation, tout de suite, elle est beaucoup plus rouge. La couleur est beaucoup plus pure. Elle est beaucoup plus saturée, en fait. Et voilà donc, en fait, le principe de la saturation. Et vous voyez qu'ici, les couleurs sont beaucoup plus pétantes, pures, vous voyez, et s'éloignent, en fait, de quoi? Du blanc. C'est-à-dire que si je désactive, donc, on a des couleurs plus délavées, qui se rapprochent du blanc, vous voyez. Si je réactive, nos couleurs sont beaucoup plus pures et pétantes. Voilà, donc ça, c'est le principe de saturation. Donc, en fait, comment fonctionne une roue chromatique? Vous voyez, comme on le voit ici dans l'outil de Da Vinci, je vais prendre ici la roue des gammas, eh bien, nous avons une boule. Si, par exemple, je prends ma boule ici et que je la tire vers le cyan, voilà, vous voyez que toute mon image commence à virer, enfin, plus ou moins toute, je reviendrai dans le prochain atelier pratique sur les différences entre les roues, hein. Vous voyez que mon image ici tire vers le cyan. En fait, ce qui se passe, c'est que je tire ici la plupart de mon image vers une teinte. Quelle teinte? Comme je me dirige dans cette direction de la roue chromatique, je vais vers le cyan. Et donc, la force avec laquelle j'écarte, en fait, ma boule signifie la saturation. Donc, si par exemple, je vais par là, là, je vais vers le jaune. Là, je vais vers le cyan. Et par contre, si je vais très très loin, plus je vais loin, plus je modifie la saturation. Regardez, ici, j'ai une saturation de jaune peu élevée. Plus je tire et plus ma saturation de jaune est forte. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que se présente une roue chromatique. Et donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir interférer donc sur vos différentes zones de chroma. Alors, ce que je ne vous ai pas dit dans l'initiation, c'est que, de nouveau, en étalonnage, il vaut mieux partir d'une image
pas trop saturée qu'une image sursaturée. Et ben pourquoi? Parce qu'il se passe exactement la même chose qu'avec la luminance. Si je pars d'une image beaucoup trop saturée, vers le jaune par exemple, et bien toutes mes zones qui avaient en fait des différences de pixels également définies par leur chroma, c'est-à-dire par leur variation de couleur, maintenant perdent cette variation pour ne transiter que vers le jaune. Et donc je perds des informations de couleur. Vous voyez, c'est aussi encore une fois le principe du log. Avec le log, on ne part pas que d'une image laiteuse qui est peu contrastée. On part aussi d'une image qui est très peu saturée. Mais ça, ce sera pour plus tard. Mais comme ça, vous connaissez déjà un peu le principe. Voilà, j'espère que vous avez bien compris le principe du vectorscope, de la teinte, de la saturation et de la roue chromatique. Ce sera tout pour cet atelier pratique. On se retrouve tout de suite pour l'atelier pratique final. A tout de suite.